Parler, donc c'est parti, on y va en beauté hein, tranquillement. Je pense qu'on va jouer un petit peu à la sulfate parce que ils ont l'air balèzes. En tout cas, j'ai reçu un minigun légendaire. Il envoie pas exceptionnellement du très très lourd. Donc, je vais démarrer le chat. Hein. Attendez 2 secondes. Évacuer le bâtiment. Écoutez, on va continuer. Je sais pas, il me dit que je suis pas en live. Peut-être un petit bug, hein. Si jamais ça va pas, je recommencerai le stream. Il me dit que y a personne de connecté, je comprends pas. Enfin, que je suis pas en stream. Donc c'est parti. Par contre, je vais regarder un petit peu Nick Valentine si il a beaucoup d'objets sur lui. Tout ce que vous voulez. Alors, exceptionnellement aujourd'hui. Oh, ça va, nickel. Exceptionnellement aujourd'hui, surprise, parce que hier soir. J'étais pas là, c'était pas possible. J'ai pas réussi à faire mon stream du soir. Hein. Je devais streamer le perso au corps à corps, hein, le build au corps à corps que je vous avais promis. J'ai même pas réussi. Faute à moi. Du coup, pour me rattraper exceptionnellement aujourd'hui, je fais cet épisode-là. Donc, la suite de l'épisode 32, c'est la partie 2. L'autre, bien sûr, s'intitulera la partie 1 parce que vu qu'on est en pleine mission, j'allais pas mettre épisode 33, ça fait un petit peu con. Du coup. Après-midi, donc après, hein, parce que je vais aller manger entre temps. Cet après-midi, on fait full live sur le perso corps à corps de Fallout 4 en mode survie. On va vraiment streamer pendant très très longtemps. Donc j'espère que vous serez nombreux. De toute façon, j'attends que ça. Hein. Parler avec vous, que vous ayez des idées à me proposer. On va essayer d'avancer pendant assez longtemps. Je vous parle vraiment d'un live au moins de 3-4 heures. Hein, vraiment. Je vais en profiter aujourd'hui. Faire mon perso corps à corps. Voilà, il dit que je suis en stream. Parfait. Hop, je lance le live. En tout cas, bonjour à tous. Hein, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes et qui arrivent. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très très bien. On prend tout. Hein. Vu que Nick Valentine, on va déverrouiller là la petite valise des familles. Par contre, cette fois-ci, je vais sauvegarder régulièrement pour éviter de me faire tuer plusieurs fois. Évacuer le bâtiment. Alors. Oh putain. Elle est trop pétée cette arme. On va regarder un petit peu ce qu'il a sur lui. J'ai vraiment envie de tout prendre. On va tout daze. On va tout donner à Valentine's. Il est où? Il est là. De quoi? Hey! J'en ai. Arme, cocktail, grenade, je lui donne parce que je m'en sers pas trop pour le moment. J'ai eu un fusil de chasse de 96. Ça, on lui donne. C'est une blague? Oh putain. Je pense qu'on va peut-être devoir retourner à Sanctuary, les potes, hein, concrètement. Et bim. Oh putain, j'ai eu les deux pour le prix d'un. Trop OP cette arme, mais trop OP de malade. Je répète, fuite chimique détectée. Non, c'est pas ce que Veuillez je veux. Évacuer le voilà. Bâtiment immédiatement. Ventilo, dossier. Hop, on va fouiller un petit peu tout le monde, hein, comme on a l'habitude de faire. Appareil photo, ouais. Là, je vois qu'il y a un établi d'armes. On peut l'utiliser. Je suis à l'abri pour le moment. On va dézler la matraque. On va prendre tous les armes que les ennemis ont sur eux, hein, donc qui sont morts. Ça va nous permettre de. Non, c'est pas ça que je voulais. D'avoir toutes les ressources. Donc de récupérer tous les composants des armes. Donc ici, regardez. Ah, il m'a détecté cet enculé. Fait chier. On va reprendre le livre, hein, donc n'oubliez pas. De toute façon, je vous les ferai en tuto, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement. Il y en a pas mal sur ma chaîne. Donc c'est Hallucigène INC, ouais, c'est bien ça. Le bâtiment. Pas loin de Sanctuary, de Diamond City et de Sanctuary qui se trouve quand même assez loin. Sanctuary est là. Et
hallucigène est ici. Donc le livre est là. Hein. Joli. Les armes à énergie infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires, c'est vraiment bien. Scotch. On prend sens. Non, je prends pas. Ah, je peux maintenant utiliser les lasers en badaise. Vieux fidèle, non. Ouais, c'est bon. On peut y aller. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous avez des ateliers, que ça soit d'armure ou d'armes à proximité, et qu'il y a pas mal d'ennemis morts, vous prenez leurs armes et vous les daise. Donc vous les recyclez, entre guillemets, voilà. Enfin non, vous les recyclez pas, qu'est-ce que je raconte. Vous les, toi, la vie de ma mère. Ah ouais. Putain, elle est vraiment trop épée cette arme. Genre ici elle a une carabine de combat. Ah ouais quand même, elle avait une belle armure. On fouille vraiment tout hein. Vous me connaissez maintenant. Oh, il y a des munitions là, bon ça. Oula. Ils sont vraiment pas bien les typos. Il y a des coups de lag en plus. C'est chaud. On va faire vraiment pièce par pièce ici, je vois qu'il y a une... Putain. Oh oh. Oh, les coups de lag, il y a tellement d'ennemis dans la zone. Ah oui, il y avait un fil là, je l'ai pas vu tout de suite en plus. Capsule, on prend. Là, il y a des munitions. Chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Ensuite. Lui aussi. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre. Ah, bah, je suis con, moi. J'ai Nick Valentine. Il peut déverrouiller les terminaux. Putain, c'est vrai. J'avais complètement oublié, moi. Pff, quel teubé je suis, franchement. Il est où? Parce que je vais. Comme ça, on va permettre d'avoir. Ça va nous permettre d'avoir des robots avec nous. Putain, par contre, les coups de lac, ça m'énerve. Il est où, Valentino, là? Il est où, Nikamuk? Putain, il est encore parti où, ce con? Une blague. Derrière, est-ce qu'il s'est... Il est pas là, mais il va arriver en mode téléportation. Oh putain. Et bim, t'es mort, frère. Allez, salut. Comment il est mort. Allez, merci pour ton... N'hésitez vraiment pas à prendre toutes les armes. Plaque chauffante, je prends. Parce qu'ici, en plus, c'est une zone où il y a beaucoup de choses à récupérer. Nuka-Cola Quantum, Nuka-Cola, parfait. La classe à Dallas, hein, toujours. Rock, j'ai bien géré. Putain, il a explosé le type. Ça, c'est sanguinaire, encore une fois. Hein. On verra ce qu'ils se battent entre eux. Allez, Ah, il est là, légendaire. Ah, on va pas faire trop le con. S'en prend. Ah, putain, je suis trop lourd. Et où il est, lui, Valentine, putain, c'est une blague. Ah, mais il est là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Viens ici. Par ici. Ah ouais, ok, il y a un légendaire là-bas. Critique dans ta gueule. Ok, je le vois pas, mais je... Tant mieux. Écoutez, il est mort en plus, normalement. Et bim. Bon, Valentine, où es-tu, mon ami? Putain. J'ai besoin de toi, frère. Non. Venez ici. C'est comme si c'était fait. Vas-y, tu sais pas faire une téléportation, toi qui as l'habitude de passer à travers les murs. Ah, peut-être que chez lui échanger des trucs ici. Ah oui, mais c'est bon ça. Ah ouais, mais je peux pas. Ah ouais, c'est vrai. Putain, j'étais obligé de jeter des trucs. Bon, les gars, pas le choix. Fuite chimique détectée.
Veuillez évacuer le bâtiment. On va acheter ça. Ça, j'ai plus besoin. Ou alors... Non, quoi que ça, c'est quand même utile. Jeter, chemise écossaise, casque militaire. Ouais, c'est bon. On va aller dézer les armes que j'ai ramassées. Je peux pas, apparemment. Bon, vous savez quoi, on va peut-être suivre vite fait l'Arthur avant. On va monter à l'étage. Nice. Il est ici, je crois, non? Ouais, oh putain. Bon, toi, tu m'as saoulé. Par contre, rate pas tes balles, s'il te plaît. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Elle fait mal. Elle fait très mal, les gars. Elle doit pas avoir une arme de merde. Ah ouais, il y a un légendaire là-bas avec, en plus. Ah, je vous racontais pas de conneries. Hein. Ils sont assez résistants. Bah, c'est pas mal, au moins. Je répète. Il y a pas mal de légendaires. Chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Oh putain, comment il a défoncé Valentine's. Au snipe, les gars. Pas très subtil de votre part. Ouais, en tout cas, ça fait pas très mal. En tout cas, j'aime bien le design du snipe. Très beau. Putain, j'aimerais bien l'avoir d'ici. Vas-y, passe ton bras, enculé. Merde. T'es pas obligé de faire ça. Allez. Ah. Veuillez évacuer le bâtiment. Oh, oh oui, dans son bras, ma gueule. Ah, je pense qu'elle est en PLS, elle est pas bien. Ouais, t'allais pas bien. Quickscope, allez. Noscope. Allez, un petit noscope. Et bim, dans ta gueule. C'était beau. Vous trouvez quelque chose d'intéressant. Laser, on prend les armes, on s'en bat les couilles. Ah, je suis déjà trop lourd. Martyr, jambière droite en métal. Ralentit temporairement le temps au combat quand il vous reste au maximum 20% de santé. Ça, j'aimerais bien essayer. J'ai personnellement jamais essayé. Ça doit être. Je sais pas, ça doit être bizarre. Ralentit le temps. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Ça doit être trop marrant. Bon, ben. On va aller comme ça à l'établi, hein. Pas le choix. Veuillez évacuer le bâtiment. En attendant, on va se remettre un petit peu de santé. Le mec, on dirait un robot. Et le pire, c'est que le nouveau mode survie qui va arriver, ça va être encore plus pire. Ça va prendre en compte le poids des munitions. Ce qui est vraiment bien, hein, parce que ça va vraiment enfin ressembler à du mode survie super réaliste, etc. quoi. Mais ça va faire encore plus un petit peu rager, on va dire, limite. Parce que c'est vrai que c'est chiant à chaque fois. Voilà, je suis un petit peu plus léger tout d'un coup. Oh, il y avait... Ah non. En tout cas, désolé pour les petits coups de lag, mais bon, je suis pas non plus sur PC, hein. C'est un petit peu normal. L'endroit est quand même assez conséquent. La base ici, elle est vraiment grande à explorer, c'est ça qui est bien. Je vous conseille vraiment de faire cette mission, elle est vraiment chouette. Je suis même pas à la moitié, je crois, hein. Concrètement, il y a beaucoup de passages à faire. Je sais pas si j'ai fouillé tout le monde. Fuite chimique détectée. Il y a un terminal ici. Veuillez évacuer le bâtiment. Cocktail Molotov x2, Steam Packs, Laser. Ah oui, vu que Nick Valentine est là maintenant. Enfin, je crois. Il est où? Il faut qu'il me déverrouille les. Vraiment, recycler beaucoup. Regardez, à chaque fois j'acquiers 4 plastiques. En plus, ces armes-là, j'ai beaucoup mieux. Du coup, limite, quand vous êtes à mon level, donc entre 33 et 34, ces armes-là, elles vous servent même plus à rien. Enfin, si, à part à les améliorer si vous avez envie, si vous possédez pas de laser, par exemple. Mais voilà quoi. Oh, document technique, carte de visite améliorée.
argent d'avant-guerre, on prend la base, hein. Bon, souvenez-vous, j'étais arrivé ici la fois passée. Wow. Restez dans vos salles de test et attendez que vos responsables vous donnent d'autres instructions. Ils se battent au corps à corps, c'est des malades ces gens, frère. Oh quoi? What? Oh la violence. Oh putain, est-ce que je vais mis les gars? Ou ça a dû faire très mal. Mais putain. Wow, on se calme. Oh putain, il fait mal en plus. Vite, tue-le. Putain, tue-le. J'ai pas envie de mourir maintenant. Putain, 39 d'XP. Putain, comment il a lâché son flingue, le mec. Il m'a fait mal, hein, concrètement, les gars. Il m'a quand même fait perdre un quart de ma vie. Donc ne manquez pas cet après-midi vers 13h parce qu'il est 13h, vers 14-15h, je commence mon stream corps à corps, parce qu'à chaque fois j'en ai un petit peu marre, j'arrive jamais à vous publier mon contenu corps à corps et j'aimerais bien streamer en votre compagnie. Hier soir j'ai dit que j'allais streamer, j'ai pas réussi, j'avais encore des imprévus etc, c'était assez chaud. Du coup je vous publie, enfin j'aimerais rattraper aujourd'hui. Et on va faire ça toute l'après-midi, je m'en fous un petit peu de l'heure les gars, hein. What the fuck? Le mec il est dans le mur, ok. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Putain, à chaque fois on gagne 25-39 d'XP, ça fait plaisir. Comment ça devenir copain? Ah ouais, lui il était chaud dans le mur, ma gueule. Il était tellement fort au corps à corps qu'il l'a expulsé dans le mur. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Cache thoracique, MDR. Bon, concrètement, j'ai quand même envie de débrouiller les PC. On va faire ça vite fait. Parce que c'est quand même l'intégrale, hein. Cet épisode là il fait partie de l'intégrale, donc du coup je suis obligé de le faire. Alerte Twitch immédiate, veuillez évacuer le bâtiment immédiat. Données corrompues détectées, toutes les données de la recherche se trouvant sur cet ordinateur sans compromis, contactez un technicien pour toute demande d'assistance. Ok, MDR. Ici je suis déjà venu. Fuite chimique détectée. On va déverrouiller la porte. Veuillez évacuer le bâtiment. Ah merde. Perfect. Ça y est. Perfecto. Ouh, pas mal ici. Alors, j'ai combien de poids sur moi? Ça va, je suis pas trop lourd. Ah, ils sont vraiment pas bien les gens là. Ils ont subi un cancer du cerveau, ma gueule. On va retourner en arrière parce que j'ai un petit comment dire, PC à déverrouiller ainsi que certaines armes à rien d'autre je crois. Ouais, parfait. Donc on va déverrouiller celui-là, ça me fait d'XP supplémentaire. Terminal de recherche, je l'avais fait en votre compagnie, je crois, l'autre fois. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Non. Ah, Rose. Oh, 3 sur 4. Ou 3 sur 5, je ne sais plus, dommage. Nuque. Oh, allez, c'est pas ça.
Ça m'énerve les terminaux, mais bon, on est obligé quand même de les faire, hein, parce que ça veut de l'XP quand même, même si c'est rien. Non. Je suis vraiment aléatoire, hein, À part quand il y a une similarité. Là, il y a 0. Encore 0. Fuite chimique putain, détectée. Quoi ce délire ? Veuillez évacuer le bâtiment. Génial. Ah ben voilà. Activez le prototype actuel. Afficher les informations du prototype actuel. Super suppresseur, puissance inactive, objet de neutralisation, non mortel de l'acide pour décharge électrique. Afficher les rapports du laboratoire. Pour ceux qui veulent lire, hein. N'hésitez pas à faire pause. Réseau de base de données hors ligne. Le réseau de la base de données est accordé uniquement au personnel autorisé. Ok. Activez le prototype. Accès à l'appareil terminé. Vérifier. Ah ouais, ok. Wow. On se calme. Salut Kundalini. Comment tu vas? Bon. Oh, ces coups de lag, ça m'énerve. Punaise. Ah, ici, ça va mieux. Bon, on va continuer d'avancer, les potes. Par contre, je vais faire une petite sauvegarde rapide, parce que si je meurs maintenant, je suis un petit peu, pas beaucoup dans la merde. On va pas la faire ici, la save. Je vois qu'on a tout clean. On peut monter par là. Ouais, le seul chemin, c'est par ici, je crois. Oh, il y a du psycho ici, on prend... Ça va bien. Tout va bien, comme d'habitude. Et je vois que je peux aller là-bas, les gars. Attendez deux secondes. Ok, rien d'intéressant à part ça. Ok. Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de glace, en fait. Là, ouais, on les voit. Alors ici, ça va être bien sympa. On va faire un petit test des différents produits qu'il y a dans la base, enfin dans l'usine, bienvenue, on va dire comme dans ça. La zone d'observation, voilà, de démonstration, voilà. Hallucigène. Approchez-vous de la vitre pour assister à une démonstration de nos produits en cours de développement. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire première démonstration. Le dispersant d'hallucigène est idéal pour disperser les civils sans violence. Putain, les expériences qu'ils ont fait, quoi, c'est quoi le délire? Hallucigène décline toute responsabilité en cas de dommages matériels, blessures ou décès résultant de panique générale liée à l'utilisation du produit dispersant. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent, en tout cas. Veuillez évacuer le gaz hallucigène, la solution en termes de contrôle des foules depuis 2055. Le gaz hallucigène permet d'arrêter une émeute plus rapidement que n'importe quel autre produit du marché. Et sans les terribles effets secondaires des produits concurrents. À utiliser avec précaution, peut entraîner des effets secondaires sensoriels, ainsi qu'une insuffisance surrénale aiguë chez les sujets exposés à de fortes doses. Oui, mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors ? Concrètement, on va en bas, on est mort. Hein. Parce qu'avec tous les produits que je vais lancer... Vous êtes un criminel ? Oubliez les armes et essayez le suppresseur d'hallucigène. Un moyen sûr, fiable et efficace de paralyser toutes les cibles, même en armure. Putain, trop stylé ça. Putain, j'aurais dû venir directement ici, les gars. Pour voir ce que ça aurait pu faire contre les ennemis. Oh, attends, puis c'est pas grave. Et des animaux de petite ou grande taille, à manipuler avec précaution. Veuillez évacuer le bâtiment. Et l'autre qui me rappelle. Veuillez évacuer le bâtiment. Putain, ça fait 30 fois qu'il dit, gros. Extraordinaire dans le domaine de la technologie de furtivité. C'est qui ça a conscrit des articles? What? J'ai pas compris. Comment ça se fait qu'il y a des types là? Certains sujets pourraient devenir inaudibles ou impalpables. Les effets pourraient être permanents. Qu'est-ce qu'elle fout là elle? Des recherches plus approfondies sont en cours. Ok, et dernière démonstration, c'est quoi? L'éradicateur d'hallucigène. C'est le plus pire, je crois. Une solution dernier cri en matière de décontamination de terrain. Ah. Qu'est-ce? What the fuck? Les résidus de radiation pourraient subsister elle est mort. Dans la zone affectée. Oh ouais, elle est morte. Le dosage est susceptible de changer après le résultat des évaluations de sécurité. MDR.
Terminal de la salle d'observation. Il est où, putain, Nick Valentine? Oh. Donc bonjour encore une fois à tout le monde. Pour ceux qui viennent juste d'arriver maintenant. Putain, il est où? Il tient encore une bavette avec... frère, le mec. En fait, je l'ai tellement gazé qu'il... le synthétique, il a pas survécu avec tous les essais que j'ai fait. What? Putain, il y a de la fumée partout du coup maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû. Allez, on va descendre, on va continuer. Normalement, c'est la suite. Oh, 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 oh. On se calme, hein. Je sais bien que t'as un laser, gros. Allez, couche-toi. J'adore comment à chaque fois il a leur arme. On dirait qu'il donne un coup de pied dans son arme ou qu'il la balance super loin avant de crever, quoi. On va faire une petite save rapide. Partout. Peut-être un câble. Oh oui, un démonte-pneu, démontre-tu. Putain, ça c'est pour mon perso corps à corps, les gars. À chaque fois, je loot des objets légendaires corps à corps, alors que je suis pas corps à corps ici. 20% de chance d'infliger une infirme à la... Oh putain, ça c'est de la classe. Une infirmité à la jambe de la cible. En plus, c'est... Elle a un bon bonus. Je répète. Dommage. Fuite chimique détectée. C'est dommage qu'on peut pas se passer certaines armes de perso en perso, ça aurait été bien. Ouh, pas mal ça. 22. Ouais, non. Tout compte fait. Headshot. Ah, du coup, maintenant que j'ai fait les essais, ils sont pas bien. Regarde. Ah. Du Nuka-Cola. On prend toujours son Nuka-Cola avant de... Scotch. Mmh. C'est tout, je crois. Ouais. On peut avancer. On va d'abord crocheter celle-là. Joli. Vous faites ça un peu trop bien, je trouve. Je sais, on me l'a dit. On me le dit souvent. Et j'adore parce que, vous voyez, hein, il est jamais là, Nick Valentine. Mais il est quand même là. En fait, il est invisible, le mec. Il vous parle comme ça, sans pression. Tu cherches après lui depuis 3000 ans et il te parle quand même, mais tu sais pas où il est, en fait, tu vois. Il te parle dans ta conscience. Tu sais, il est sur ton épaule, tu sais. Le mec. Ah, Sonic Valentine. Il me fait trop marrer. Oh là, on peut pas aller là, c'est quoi le délire? Ah. Du Nuka-Cola Quantum, Nuka-Cola. Bouteille, c'est la merde. Bon, concrètement ici, je pense que je vais devoir faire demi-tour parce qu'il y a une zone où il faut un masque, je crois. Mais je sais pas si je l'ai sur moi. Oh, il y a des capsules ici. Bon, on prend, hein. On se régale. Ouh, frère, je veux bien. Le mec, il met un minigun devant la gueule comme ça. Je le prends pas parce que j'en ai déjà un. Je viens d'envoyer un snapshot à Kylian. À l'aise. Terminal d'accès à l'ordinateur central, novice. On va essayer de le déverrouiller, les potes, celui-là. Du premier coup, peut-être. Pff, non, même pas. Chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Ah ben voilà, état d'ordinateur central. Ouais. Réinitialisation totale des mots de passe, putain. Chaque fois, j'ai des problèmes avec ça. Mot de passe principal. Ah bon? Et il va me servir à quoi? Ah oui, à faire ça, ok. Je vais pouvoir déverrouiller cette porte. Comment de la porte, ouvrir la porte? Ouais, il me faut un masque, putain. À moins que... Attendez. Ah mais non, je crois que c'est pas nécessaire. C'est juste... J'ai peut-être même pas besoin du... Du masque et tout. Putain, j'espère. Fuite chimique détectée. Je pense qu'on peut changer la... Comment dire... L'atmosphère de la zone. Donc la décontamination. On peut changer l'air, je crois. Arrêter la décontamination. Donc normalement, on pourra passer, je crois, hein, logiquement. Oh, bah, je peux crocheter la porte là, s'il faut. On va la crocheter. Putain, c'est en expert, en plus.
Donc ne manquez pas pour tous ceux qui seraient intéressés sur le live ici maintenant présent. Tout à l'heure donc vers 14-15h je commence mon épisode corps à corps, hein, parce que hier soir j'ai pas réussi à streamer, je devais streamer normalement, je vous l'avais promis, j'ai failli ma promesse, donc je vais me rattraper les potes. On commence soit, moi pour être bien sûr on va commencer à 15h parce que bon je vais manger mais je sais pas encore quand. Et on va faire ça l'après-midi. Donc si vous êtes chaud patate et que vous avez envie de voir du corps à corps, n'hésitez pas à venir me voir. What? Le bâtiment. What? C'est quoi cette connerie? Frère, étant donné que tu es son meilleur ami, tu as connu son infirmière. L'infirmière, non, je l'ai pas connue. Mais je sais qu'il y en avait une qui passait tout un moment. Mais non. Voilà, oh là, oh là, oh là, on va se calmer. C'est quoi ce délire? Frère, ah ok, il est invisible ce con. Putain, je me disais, c'est pas normal, je le vois pas. Ah, ça va être chaud. J'ai bien envie de le zigouiller à la sulfate, les gars. Ah, c'est un commandant. Eh gros, Valentine, il parle mais de super loin. En fait, il est resté au début du... Wow, c'est quoi ce bug? Vais rendre service à tout le monde. Moi, y a pas moyen de faire ça après, s'il te plaît. Ça te dérange pas. Merci. Bon. Alors. On a 33 minutes, donc on a encore 17... Waouh, c'est quoi ce délire? Fuite chimique détectée. Clé d'hallucigène, briefing de mission d'hallucigène, note d'artilleur. En plus, il a un fusil plasma, les gars. Ouh, mon premier plasma, je crois, je suis pas sûr. Attendez, c'est où? Ouais, ah, ce flingue-là, les gars, quand vous l'améliorez, c'est une tuerie, mais monumentale. Par contre, je vais pas pouvoir le prendre parce que je vois que j'ai déjà 239 sur 240. On va devoir jeter quelque chose encore une fois. Ça me saoule. Faudra que je revienne ici. Ou alors non, j'ai une idée, je pense qu'il y a un coffre plus loin. Je sais plus où il est, hein. Concrètement, je suis bloqué, c'est quoi le délire? Ah, il est là. On va mettre tout dans le coffre. Hop, on prend juste les munitions. Ouh, compensation du recul, calibre 50, discrétion. Ouais, bof. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Veuillez évacuer le bâtiment. Ah voilà, je vais mettre ça dedans, T60, donc il faudra que j'y retourne pour les prendre, parce que j'avais des armures. Bonbonne de gaz halogénogène percée. Bon du coup, je vais aller récupérer le plasma. Donc on a fini la zone, hein, les potes, c'est fini. Hop, le reste ne m'intéresse pas. Il avait des stale balls, ok, c'est pour ça qu'il est invisible. Grenade frag. Là, il y a du rags, radway. Franchement, c'est une zone vraiment où vous pouvez piller pas mal de ressources quand même. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Du laboratoire. Je regarde un petit peu les lieux. Je vais prendre juste la bonbonne ici. Bonbonne de gaz hallucinogène. Et voilà. Je l'ai. Hop. Veuillez évacuer le bâtiment. Ah, putain, j'avais pas vu. Radway, on prend encore. The Fox. Quand la quantum bidon en alu, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a rien d'autre, hein, les potes. Concrètement, putain, par contre, il y a beaucoup d'ateliers de chimie. Je comprends un petit peu pourquoi maintenant l'usine elle était gazée, mais limite à la Adolf Hitler, ma gueule. Enfin, un petit peu moins pire quand même, mais quand même, putain, les essais qu'ils ont fait. Donc, c'est parti, on va quitter Esplanade, débrouiller. Grâce à la clé.
En tout cas, j'ai pas vu de bouquin. Je sais pas s'il y en avait qu'un. Normalement, oui. À chaque bâtiment, généralement, il y en a qu'un seul. Donc, a priori, il devrait en avoir qu'un. Putain, en plus, on est bientôt niveau 34. Il nous reste un peu moins d'un quart d'XP. Enfin, un peu plus qu'un quart de l'XP, pardon. Et cette arme-là, au corps à corps, elle doit être, ça doit être une tuerie. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'éventreur, je crois. C'est une genre de petite tronçonneuse comme ça. Trop marrant. Mais je l'ai jamais utilisé, par contre. J'aimerais bien essayer pour voir ce que ça fait. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, encore une fois, ne manquez pas, pour ceux que ça intéresserait, après-midi. Hein, on fait le live corps à corps très longtemps. Hein, ça va être genre 3-4 heures, voire plus. J'arrêterai vers 7-8 heures. Et comme ça, ça sera bon. J'ai pas non plus comme un porc. Mais je vais vous produire un stream assez long pour les personnes qui aimeraient bien et qui voudraient voir. Voilà. Donc, on a fini la mission. Maintenant, ce qu'on va faire... Donc, attends, je vais regarder dans mes quêtes ce que j'ai. Retourner voir Tom la bricole. On va faire ça, les potes. Et ensuite, on va apporter une bobonne de gaz à Lucigène, à Fred Allen. Ce qu'on pourra peut-être faire par la suite, c'est trouver les trésors de Jamaica Plain. Il faut savoir qu'il y a une arme unique, légendaire, à cet endroit-là. Donc on ira ensemble. Et on fera chasser les pillards de la zone Station Andrew. Je pense que... Voilà, pour le moment. Chercher des pièces détachées de jouets dans l'usine... What? D'Atomatoys. Ça aussi, ça pourrait être bien. Inspecter le musée de la sorcellerie, il faudrait le faire aussi. Je vais retirer mon marqueur. Hop, on va stepper au QG du réseau du rail pour aller rendre la quête et gagner mon XP. C'est là aussi, cette arme-là, monstrueuse, il paraît au corps à corps. Je ne l'ai pas encore dans mon autre partie. On ira chercher tout ça, vous inquiétez pas, il y aura pas mal de tutos qui vont arriver. C'est vraiment que le début hein, sur Fallout. Pourtant, je suis quand même niveau 30 aidé sur deux parties différentes. Mais il y a encore beaucoup de choses, c'est vraiment le jeu limite infini. Ah, il est là, Tom la bricole. Il me fait toujours rire, lui. Il est trop stylé en plus. Oui, ok. Qu'est-ce qui passe? Comment ça se fait qu'il y a tout le monde qui... Les gens commencent à paniquer en voyant ces trucs dans le ciel. Hein? Je croyais que c'était les extraterrestres de Tom la bricole. Les extraterrestres existent vraiment? Tais-toi. Le mec. Dirigeable s'appelle le prédou. J'ai vu un Illuminati hier. C'est un ordre militaire. Il était dans sa pyramide. Organisé et extrêmement bien équipé. Ils sont venus ici pour éliminer les synthétiques. Merde! Faites passer le mot. La confrérie est notre ennemi. Non, on ne tuera pas la confrérie, les gars. Entre nous. Tom la bricole va élaborer un plan d'urgence pour contrer la menace de la confrérie. Nom de code, Opération Lumière Rouge. En attendant, on les surveille de près et on les tient à distance de nos opérations. Notre objectif principal reste l'Institut. Vous avez reçu vos ordres de mission. Alors mettez-vous au travail. Ouais, mais ouais, je me doute. Je comprends, t'inquiète pas. Excusez-moi. Mila nous transmet un paquet d'infos. Mais bon, j'ai pas streamé non plus trop, tu vois, mais je vais faire un bon gros live. Je vais creuser un peu plus ces données. Si vous avez un peu de temps. Parce que si tu veux, il y a des vidéos qui sont rediffusées sur YouTube, donc qui sont diffusées sur YouTube en même temps. Je vais. Une fois que j'ai fini mes vidéos sur Twitch. Oula, c'est quoi, Mila? Ok, 121 d'XP. Le docteur Carrington voulait vous parler. Donc ouais, je vous explique en grosso modo. Donc il y a des vidéos qui sont diffusées ouais sur YouTube. Donc qui sont donc par exemple quand ce stream sera fini, après je vais sur Twitch, je fais exporter ma vidéo sur YouTube. Mais il y a certains lives comme le live de cet après-midi que je vais faire au corps à corps qui ne sera pas rediffusé sur YouTube. Ça reste sur Twitch, c'est vraiment les lives les épisodes pour ceux qui aiment bien regarder sur Twitch et bah ces épisodes là aussi, mais c'est pour ces épisodes que je fais là actuellement, c'est pour ceux qui aiment bien regarder sur Twitch. Et qui aimeraient ou qui auraient raté par exemple la diffusion sur Twitch, du coup iraient voir la rediffusion sur YouTube. Donc je pense que j'ai un petit peu, enfin je sais pas si vous m'avez compris, normalement oui. Mais voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est à propos du jeu maintenant. Ici vous voyez hein, je suis au réseau du rail. Mais la fin que je vais faire avec vous, je l'ai déjà en tête. Je vais pas vous spoil parce qu'il y a 4 fins différentes au jeu si mes souvenirs sont bons.
Mais je l'ai en tête, vous verrez, hein, vous allez comprendre vraiment quand je serai vraiment à la fin de la quête principale. Je vous le dirai, hein, la fin que je fais. Il y a deux fins que je kiffe, et les deux autres fins, bon, j'aime bien, mais sans plus. Je sais pas si on les fera, hein, ça c'est sûr, hein, parce que bon, il faut mes trophées, etc. quoi. Mais sinon, c'est quoi là, consulter le 100 enquête. C'est pas dans l'immédiat, je veux dire, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut rapporter station Andrew. Ah ben on ira là après. Enfin la prochaine fois. Chercher des pièces détachées. Putain c'est loin là-bas. Il est où Allen? Il faut rapporter une... Attendez, est-ce que je l'ai mis Ah ouais mais c'est à Good Neighbor je crois, attendez. Ouais. On va step à Good Neighbor. Fred Allen, c'était dans l'hôtel, souvenez-vous, on avait été bien tranquillement. En plus, j'ai bientôt passé 34, mais je pense que je passerai pas niveau 34 aujourd'hui. C'est dommage, mais bon. Je perds une petite goutte en attendant. Bon. Où il est ce Fred Allen? Vous vous posiez la question. On capte très bien Radio Diamond City ici à Good Neighbor. Ce que je ferai aussi prochainement, c'est la quête de Silver Shroud, parce que ça fait très longtemps que je l'ai dans mon inventaire. On la fera. Oh, cette musique, elle est belle. Moi, j'aime bien la musique de la Fallout 4. Bonjour. D'arriver à Good Neighbor, non? Alors, vous en pensez quoi? Salut. Ah, vous voilà. Fred. Alors, Allen. C'était comment, Lucien? Vous m'avez trouvé quelque chose d'intéressant? Wesh. J'ai trouvé cette bonbonne de gaz. Il a l'air... Dis-moi, tu fais de la course toi aussi comme Kylian? Oui, j'ai mais si j'ai pas de cachet que j'ai arrêté moi. Je fais beaucoup plus de VTT. Moi, je suis plus style vélo, etc. Vous voulez pas un petit Oh putain, 483 d'XP. Non. Ça ne m'intéresse pas. Si vous avez besoin de moi, je serai là. Enfin ouais, donc bref, je disais, je fais du sport, beaucoup de sport. Généralement, je fais pour le moment, je fais beaucoup de vélo, je fais ma muscu aussi, tu vois. Mais oui, avant, je faisais de la course avec lui. Mais le problème, moi, c'est que tu vois, j'ai besoin de toucher un petit peu à tous les sports. J'aime pas rester dans le même sport pendant des années. Je sais pas faire ça, moi. À un moment, ça me saoule et j'ai besoin de. J'adore le sport, hein. Je suis vraiment fan de ce que j'ai fait deux ans d'animateur sportif, donc intensif. J'avais beaucoup d'heures par jour, c'est équivaut à des heures de prof de sport, de prof de gym, peut-être une heure ou deux heures en mois par semaine, tu vois, parce que prof de sport, c'est plus haut, forcément, c'est les hautes études. Mais j'ai fait ma cinquième et ma sixième technique de qualification en animateur sportif, donc j'ai mon diplôme d'animateur, tu vois. Je peux donner des activités aux jeunes, aux enfants, etc. Mais on avait nos 9 heures de sport par semaine quand même, tu vois, du coup, plus les entraînements, parce que je m'entraînais encore à ce temps-là à l'athlée. Ce que je faisais aussi quelquefois, on a fait aussi des semaines complètes d'entraînement avec Kylian. J'en ai fait 2-3 avec lui. Et ici, bah, je vais pas te le cacher, ça m'a un petit peu saoulé l'athlète. Du coup, je fais beaucoup de VTT, on fait du foot aussi. Je fais un peu de tout, franchement. Mais le sport, je kiffe. C'est mon, on va dire, mon péché mignon. Donc, on va stepper. Enfin, on peut pas stepper. On va mettre un marqueur. On va faire la station. Donc, chasser les pierres de la zone de la station Andrew. On va faire cet objectif d'hiver. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à Pâtes. J'ai envie qu'on aille à Pâtes. Donc, on va bientôt s'arrêter là, les potes. Hein, parce que cet après-midi, je vais vous produire, promis juré, le perso corps à corps. On va faire ça pendant pas mal de temps. Juste avant, peut-être, ce que je vous ferai, c'est la suite d'Uncharted de Diablo. Parce que Diablo, j'aimerais bien le finir et passer à un autre jeu en stream. Parce que pour le moment, à part Diablo, Division... Enfin, c'est déjà 4 jeux différents, vous allez me dire. Mais j'aimerais bien vous proposer aussi
d'autres épisodes et d'autres jeux. Parce que Diablo, c'est un très vieux jeu aussi. Hein, ça fait au moins... Je pense que c'est bien, ça va bientôt faire 6 ou 7 ans qu'il est sorti, même plus. Cette arme-là, je vais devoir aller la chercher aussi en tuto, les gars. Lance-clou, c'est une tuerie, pareil, cette arme. Par contre, je ne sais pas où elle est. Il va falloir que je regarde pour vous la faire en tuto. Enfin, je pense que je sais plus ou moins où elle est. Elle est dans une décharge, je crois. Mais oui, sinon, Kunda, ouais, je faisais de la course. Tout un moment. Oula, à chaque fois, il y a un bug quand je sors de cet abri. Y'a pas un chien là-bas? Apparemment, non. On va fouiller un petit peu les lieux ensemble. Ok, j'ai clean la zone apparemment ici. En tout cas, c'est dans la bonne direction, c'est parfait, on se dirige dans la bonne direction. Excusez-moi pour le hockey. Il y a un frappeur super mutant là-bas. On va aller s'en occuper vite fait. Wow, c'est quoi le délire? Cabo albinos? Ah ouais! J'ai pas compris, gros. Où elle est partie en miettes? Allez, arrive. Y'a plus rien. Filez-moi tout ce que vous pouvez pas porter. Wow, la goule, on se calme. T'as des ghouls, ils arrivent en 3 secondes, frère, sur ta gueule. Allez, manche. Wow, Valentine, tu fais quoi, là? Il me fout un coup de boule, ma gueule, alors que je l'ai sauvé il y a 3 secondes. Même pas. Ça, on prend. Oh, lui, il s'est fait défoncer. Sans pression. On va avancer un petit peu tranquillement ensemble. Hein. Putain, il y a même des cartouches dans des poubelles, MDR. C'est quoi cet endroit? What? Water Street? Ah ouais, ok. Je me dis, c'est quoi ce nom? Paquet de cigarettes pour revendre, hein, pour se faire un masse de capsules. Parce que c'est quand même important les capsules dans le jeu, surtout pour certaines armes uniques pour les acheter. Il faut beaucoup de capsules. Waouh. Putain, il fait trop mal. Oh, je sais pas, il a quoi comme flingue, mais... Mec, calme-toi, hein. Le mec, quoi. Ok, il y en a encore, c'est quoi ce délire? Ah ouais, il avait un fusil d'assaut, maintenant je comprends mieux pourquoi il faisait très mal. Enfin, très mal. Ça va quoi. Il y a pire. Putain, c'est quoi cette zone, les gars? Attention, il arrive. Putain. Dans ta gueule, bitch. Plus personne. Holy shit. Le vol plané du super mutant Molosse légendaire. C'est quoi ça? Mec, lui, il est déterminé. Je sais. J'ai pas l'habitude de transpirer, moi. Bon. Par contre, il avait un putain de sniper là. What? Fusil de précision.
Ah oui. Putain, je prends ça direct. Oula, 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 il y a un ennemi là-bas, ma gueule, on va lui mettre une torchée. Allez, on se le faut snipe. Bim! 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 Dans ton cul! Allez, salut! Putain, il y a tellement d'endroits dans le jeu, il va falloir vraiment tout fouiller. Putain. Je vais finir dans 3 ans, Fallout 4, l'intégrale en fait. Dans 3 ans, je serai court sous le jeu, les gars. Surtout qu'il y a un gros DLC qui va arriver prochainement, hein, au mois de mai, je crois. Ça sera sûrement dans le courant de fin mai. Wow, 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 wow. On arrête de bugger, s'il vous plaît. Je pense que c'est par là, en fait. Ouais. Station Andrew, on n'est pas très très loin de la station Andrew. Oula. Il y a un protectron, ma gueule. Je sais pas ce qu'il va tenter. On va déverrouiller l'endroit là. Robotique de grand public, Esther. Ok. Quoi? Ne touche pas à Mr. Andy, enculé. Simon, il... Et bim. Allez, salut. Et il est où le cadavre? Ah, il est là. Il avait quoi sur lui? Bof. Je m'attendais à une quête du Turfu. Et le merci, c'est pour... C'est pour qui? Ben oui, bien sûr, hein. C'est moi qui fais le taf. Le mec, il se casse comme ça, sans pression. Oh, je t'avais pas vu, mec. En plus, il a pris tellement cher. Il a quand même eu chaud, hein. Heureusement que je suis arrivé... What? Regardez comment il s'appelle. Je pensais qu'il s'appelait Thug. Mais c'est pas Thug. On va se casser... Ruby. Oui, oui, gros. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Non ! Raté ! Putain, c'est... C'est quoi ces chiens ? Frère, tu m'expliques ? Ah, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Non, non, non ! Putain, c'était quoi ces kleps, les gars ? Je veux bien, mais quoi, c'est des Terminators, ça, non ? T'es vu, mec. Je vais te mettre un nail shot du Turfu, tu vas rien comprendre. Merde. Ah ouais, j'ai trop bien visé, moi. Putain, j'ai trop envie de lui mettre un noscope, les gars. Et quoi, il est mort? Ok. Bon, ça veut dire... viens, je t'attends, monte les escaliers. Faites attention. Ça veut dire... Il faut avancer, on a compris, encore une fois. Hein? Alors? Plus rien. Plus ouais. Rien? Ça, c'est toi qui le dis, ça. Alors... Salut. Oh oui! Peach, motherfucker! Oh, la violence, les gars! Ça va... Sa tête, elle a vraiment explosé, mais un truc de malade! Oh, c'était magnifique! Je l'ai trollé, là, le type, concrètement. Putain, je veux voir ça sur le live. Ce que je vois sur mon téléphone. Oh, c'était violent! T'as perdu ta tête, mec.
Et tout ça en plus pour que dalle, il s'est fait une petite base à lui tout seul, le gars. Ah ouais, il est bien mis. Mais il n'y a pas d'armes, pas de munitions. Il n'allait pas survivre très bien, bien très longtemps, hein, en tout cas. Ouais, il avait une viande de râteau pour ses chiens, le type. Putain, écoutez, what the fuck, quoi, le délire? Il n'y a rien du tout. Putain, j'aurais quand même cru, dégoûté. Bon. Ouh les gars, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. On va s'arrêter ici. J'ai trouvé un petit endroit parce qu'on est bientôt là. Hein. On est à 70 mètres du lieu. Ah ben c'est parfait, on a une petite zone bien tranquille. On va se mettre sur l'auto. Donc, prochain live, ça sera mercredi. Parce que lundi, mardi, j'ai cours. Non, pas mercredi, ça sera mardi après-midi. Comment dire ? On fera la suite de l'intégrale de Fallout 4, donc de cet épisode là, ça sera l'épisode 33 hein, maintenant vu qu'on a fini l'autre mission. Donc retrouvez-moi tout à l'heure après-midi vers 15h, on démarre le stream bulle corps à corps, en mode survie toujours, hein. Vous verrez, je suis actuellement niveau 16 ou 17 je crois, je ne sais plus vraiment. J'avais fait quelques épisodes déjà et on va faire ça pendant un petit temps. Merci en tout cas de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode 32, c'était la partie 2 de l'épisode 32 en mode survie. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, enfin à partager ouais la vidéo quand elle sera sur YouTube bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions ou à vous abonner, que sais-je, enfin, vous aurez compris. Merci à tout le monde, c'était Starkiller 1989 les potes. Bon appétit à tous ceux qui mangent et ciao ciao, peace et à tout à l'heure.